à la même place qu'hier. Je viens de finir. J'ai fait une deuxième séance, c'était Booty Camp, spécial filles. Donc j'avais que des filles au cours. Voilà, tout ce qui est à base de squat, tout ce qui est fessiers, cardio. Encore une fois, c'était dur, mais bon, après, c'est vrai, c'est assez motivant aussi. Hein. Quand on voit toutes ces femmes, on est totalement différentes et tout, donc c'est cool aussi. Voilà, donc comme je vous disais, j'aime bien faire à la maison et j'aime bien alterner aussi avec ces cours. Je pense pas reprendre la salle comme je faisais avant parce que je vois pas l'intérêt. Je préfère faire à la maison mes abdos, tout ça, et faire juste les cours comme ça. Voilà. Donc avec mes séances là quand je suis à la maison et les cours comme ça avec d'autres filles, on parle. Enfin voilà, c'est cool aussi. Enfin bref, je suis fracassée du coup, mais. Surtout que cette nuit il n'a pas beaucoup dormi, on était fatigué ce matin, mais bon, voilà. Je ne me suis pas laissé démotiver, sachant que franchement Théo aussi il est super motivé, donc on fait son cours, voilà, je commence et il y va après. Donc voilà, on se motive ensemble, on se motive avec vous aussi, j'essaie en tout cas, et voilà. Donc là je vais faire une bonne douche, mais en tout cas cette sensation, à chaque fois je le dis, mais cette sensation après la séance de sport de fierté et d'accomplissement personnel, c'est tellement bien, quoi. Voilà. Et en fait quand on a mal comme ça, je peux pas manger mal après, c'est pas possible, faut que je mange bien parce que je me dis j'ai pas fait ça pour rien. Voilà, donc non, là je suis super super motivée, j'ai vraiment envie, voilà, de me sentir bien quand je suis en maillot, quand je m'habille, tout ça, c'est, je trouve ça important, donc voilà. On va jouer. C'est parti, on va jouer. Oui, c'est toi là. J'attendais qu'il se réveille de la sieste là-bas, là il joue un peu, je vais lui mettre après. J'ai commandé, alors c'est pas un collier d'ambre, c'est un bracelet, enfin c'est un cheville pour la cheville d'ambre. Tout simplement, alors il y en a qui m'avaient dit que ça marchait bien, bon je pensais pas, mais voilà, apparemment ça marche à la cheville, et j'avoue que je serais un petit peu plus rassurée vu que le collier ça me faisait un petit peu peur, même si je sais que ça marche, ça peut bien marcher, mais c'est vrai que comme ça vient de mettre dans sa chambre et tout, déjà que ça va stress, j'ai pas envie d'avoir ce stress en plus avec le collier, donc voilà, mais je vais essayer la cheville, du coup là j'attends qu'il joue un petit peu, je vais lui mettre après, donc je sais pas, mais en tout cas c'était je pense que c'était les dents, même cette nuit il s'est réveillé, enfin, on sentait qu'il avait mal même ce matin encore. Donc voilà. Et puis bon, après il double les gencives depuis pas mal de temps maintenant. Je pense qu'il n'y a rien qui est sorti, mais il est double depuis pas mal de temps. Donc voilà. Mais là ça doit lui faire mal. Donc voilà. Pour les dents, j'ai tout ce qui est d'olodent, camélia, les suppos à camomille aussi. Voilà, donc je vais en mis un là, on va voir. Mais là, c'est la première fois que ça lui faisait, je pense, aussi mal. Alors, est-ce que ça va sortir? Je sais pas trop. Je sais qu'il n'y a pas trop de règles par rapport à ça. Donc on verra bien. Bon, là, ça va. Il a fait la sieste et là, il a l'air d'aller bien. Donc, ça. Mais c'est vrai qu'on s'était tellement habitué. Moi, je sais qu'on s'habitue jamais trop. trop vite. Mais c'est vrai qu'il nous a fait tellement de bonnes nuits que là, j'avoue, même il s'est réveillé. On l'a couché à 20h. Enfin, on a mis du temps à dormir. Il s'est réveillé à 22h. Donc, c'est qu'il a quelque chose qui l'a mal, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà. Je vais lui mettre, mais il est trop grand, donc il est pas trop grand. Il faut que j'en commande un autre, du coup. J'ai eu ma cure de chez les Miraculeux, donc la cure immunité et la cure beauté. Et j'ai commencé aussi la cure confort menstruel. Donc vous avez plusieurs cures sur le site, et en fait, c'est sous forme de gummies. Et en plus, selon les cures, ils sont sans sucre, et ça c'est le premier laboratoire français qui le fait. Mais voilà, la marque est française et tout est fabriqué en France. D'ailleurs, quand je vous en avais parlé, je vous ai demandé un petit peu si vous connaissiez, si vous avez déjà testé, et franchement, il y en avait plein. Je vous remets d'ailleurs les avis sur les Miraculeux. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la gamme sommeil. Bon, moi, je n'ai pas testé, c'est pour ça que je n'en parle pas. Mais il y en a beaucoup qui m'ont parlé de la gamme sommeil et qui m'ont dit qu'elle était vraiment trop bien. Donc, ça peut intéresser les personnes, voilà, qui ont des problèmes un petit peu de sommeil. Voilà, c'est que des produits naturels. C'est fabriqué en France. Ben, vraiment, c'est une super marque. En tout cas, moi, j'aime bien. Bon, là, je fais immunité beauté. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé confort menstruel. Mais du coup, j'aimerais bien faire aussi digestion. D'ailleurs, si les personnes, enfin, s'il y en a qui ont déjà testé la cure digestion, parce que mon ventre là, ça va pas, et je pense que j'ai un petit peu besoin de compléments, mais à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous en dirai.
La mala, la mala. T'es en train de changer en fait la saveur de ma bouteille à rap en fait. Pour les personnes qui ne connaissent pas en fait, moi c'est Théo qui a commencé à tester avant moi. En fait, vous avez ce pod avec plusieurs saveurs. Et en fait, quand vous allez venir l'activer sur la bouteille à rap comme ça, en fait, ça va, vous allez boire. Il n'y a rien à l'intérieur, mais en fait, le fait qu'il y ait ça, là par exemple, c'est pomme, on dirait que je bois de la pomme. En fait, c'est le principe de rétro-olfaction. En fait, avec la senteur de votre nez, vous avez l'impression de boire quelque chose de différent dans la bouche, alors qu'en fait, c'est juste de l'eau. Donc là, c'est pomme. Vous avez aussi citron et la pêche. La pêche, elle est hyper bien. Donc, comme vous avez vu, en fait, c'est des petits pots comme ça. Donc, si vous le mettez comme ça, il n'est pas activé. Vous avez vraiment besoin de l'enfoncer. Vous n'avez pas besoin de la bouteille en plus. Vous pouvez la boire droite comme ça. Et du coup, pour les personnes qui n'aiment pas trop boire ben, l'eau, il y en a plein hein, qui n'aiment pas non plus le goût de l'eau. Ben, là, vous avez vraiment l'impression de boire ben, soit de l'eau à base de citron, de l'eau à base de pêche. C'est vraiment... moi, Théo, il m'avait fait tester. Et vraiment, c'est très perturbant et cool parce que... Vraiment, quand vous buvez, là, j'ai l'impression vraiment que c'est de la pomme. Mais en fait, c'est juste par rapport au fait que je le sente avec mon nez. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et en plus de ça, vous avez plein de saveurs différentes. Et le packaging, il est cool aussi de la bouteille. Voilà, vous pouvez l'amener de partout. Donc, ça, c'est cool aussi pour boire tout au long de la journée. Bon, on est venu à l'expo. Donc là, on va faire le premier pavillon. Mon petit amour. Il y a plein de lumière partout. Il est émerveillé. Donc là, il y a un écran comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Mon amour. C'est balade. Mon amour.